Salut à tous et à toute bande de petites truffes. J'ai quelque chose à vous montrer. En fait, j'ai tout simplement installé des mods sur ce truc, tout simplement. Et en fait, les mods permettent tout simplement de pouvoir avoir des furies dedans carrément. Je vais vous montrer. Du coup, je voulais vous faire découvrir ça. Regardez, c'est trop classe. En français en plus. Parce que je rappelle, le jeu Starbound n'est normalement pas en français. Le jeu Starbound, normalement, n'est pas en français, que je rappelle. C'est parce que je l'ai mis en français, en fait. Par contre, pour la musique, on va essayer d'éviter que ça soit trop fort. Devrait aller. Donc là, je me réveille. Et en plus, non seulement de ça, comme vous voyez, c'est en français, mais en plus, il n'y a pas que ça. C'est que il a déjà fait tout ce qui est nécessaire pour les contrôles. Bon, je rappelle que Starbound, donc le jeu que je joue là, il est déjà vieux depuis 2014, c'était tout ça, hein. Donc c'est un très vieux jeu, mais bon, je veux dire, moi je cherchais un moyen de pouvoir avoir ça, quoi. C'est trop stylé. Trop classe. Hop. Donc je connais un peu le début, hein, je sais ce qu'il faut faire. Et comme vous voyez, les personnages aussi sont... On appuie sur E, ils parlent en français. Alors, on se réveille, nanana, j'ai même pas eu le temps de lire parce que j'ai pas bien regardé, mais c'est de ma faute. Comme vous voyez, c'est bien en français. Même peut-être éventuellement ça, je ne sais pas. Voilà. Continuez, hein. Bah voilà. Faut continuer à avancer. Et voilà. Faut savoir que j'ai jamais vu l'intro, moi. Je sais pas du tout où on appuie pour. Attendez, parce que j'ai un petit souci avec mon clavier. Il tangue, un peu chiant. Pourquoi il tombe comme ça? Non, tout est fermé. D'accord, bah, j'avais pas vu la cinématique moi jusqu'à maintenant. Et regardez, c'est une furie là. Je suis où, moi? Ouais. Merci. Oui, jusque-là, je connais. Donc, du coup, je peux faire ça. C'est horrible, ils sont tous morts.
Et il est classe, hein. Ah, tu veux que je nettoie ça, c'est ça? Je vais nettoyer ça. Bon, je vais pas prendre la tête parce que c'est l'intro. Non, je peux pas piquer. J'ai compris parce que j'avais vu un let's play où il y avait un mec qui était tentacule machin. Je comprenais pas pourquoi en fait. Mais non, j'ai compris. Encore? Ah, de la thune. Ah oui, je veux bien ça. Ah, ça aussi. Ça aussi. Je peux pas le récupérer, dommage. Donc c'était ça l'intro. Ah ben je le savais pas, je connaissais pas. Voilà, comme vous avez le nom du jeu, hein. C'est pas un jeu qui date de maintenant. Hein. Il est sorti en 2014-2015, un truc comme ça. Et pas avant. Hein. Regarde, du coup, j'ai une sorte de animal spécial là. Non, je vais pas le tuer, mais regardez comme il est trop mignon. Voilà, voilà. Et du coup, c'est complètement vide. Ah, ok. Ah, c'est plus en français. Ah, c'est au-dessus que je vais aller pour voler. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? Ah, voilà. Nous sommes actuellement en orbite autour d'une planète inconnue. Le vaisseau est endommagé et incapable de quitter l'orbite. Je vous conseille de descendre sur la planète en utilisant le téléporteur qui se situe à la gauche de votre vaisseau. Puis descendez et cherchez de quoi réparer le vaisseau. D'accord, mais c'est quoi que tu veux? Et c'est ça qui me fait rire en fait, que c'est bien. Donc on va tester déjà si ça sauvegarde correctement. Oui, je suis en facile, hein. Je suis une grosse merde. Ok, tout a l'air de fonctionner nickel. J'ai un petit personnage qui est tout mignon là. Donc ça c'est parfait. Et bah du coup on va peut-être aller faire un tour. Ouais. Hop là. Bon, il faut savoir que c'est aléatoire, hein. Oh, trop beau.
Déforestation! Comme dirait le truc. C'est Bob, hein. Bob Lennon. Pas trop déforestation, mais bon. Un peu d'humour tout mou. Ah. Ok. Bon, comme je vous ai dit, hein, je suis un débutant dans ce truc-là. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. En prenant en compte que c'est un vieux jeu. Ça va, il est généreux le jeu. Bon, je joue en facile aussi. Hein. Je cherche pas la difficulté, moi, personnellement. C'est surtout que j'ai jamais joué au jeu réellement. Bah oui, quand vous n'avez pas joué réellement au jeu correctement, comme vous voulez être doué. Ah, donc pour le moment, je dois explorer la planète, apparemment. Ah, il fait un bruit d'animal. Mon personnage. C'est cool. Là, ils ont pensé à tout. La personne qui a fait ça, elle a pensé à tout. En tout cas, personne qui a fait ce truc, bravo à toi. Tu as fait du taf génial. C'est trop classe, quoi. Moi, ça me donne envie de trop de jouer au jeu. C'est un peu comme Minecraft et surtout comme Terraria. En fait, c'est plus mieux que Terraria théoriquement au niveau graphisme, ce jeu. Il y a beaucoup plus de contenu. C'est une sorte de Terraria plus, si vous voulez, Starbound. Bon, le problème, c'est qu'on ne peut pas jouer en mode créatif. Ce qui me dégoûte un peu. Ça me dégoûte. Donc voilà, quoi. Oh. Et merde. Bon, après, on peut faire ça aussi. Parce que oui, on peut poser des blocs. Hein. C'est comme dans Minecraft, donc c'est le même principe. Terraria, c'était pareil. Donc, voilà. Je rappelle, c'est un très vieux jeu. Hein. C'est un jeu de depuis 2014 qui existe. Enfin, il existe depuis 2014. On peut récupérer ça. Non. D'accord. En tout cas, c'est cool de c'est quoi ça? Ah, j'ai une lance aussi. C'est cool de pouvoir jouer en français, quoi, parce que moi, je n'y comprends rien en anglais. Donc du coup, voilà quoi. Ah, je suis mort.
Oups. Ouais, je sais pas, j'aime bien ce skin, mais pas le skin des vêtements, mais je sais pas trop si j'ai envie de garder de mettre ces vêtements-là ou les autres. En fin de compte, les vêtements qu'il m'a donné sont bien aussi. Donc les deux sont cool, quoi. J'ai quand même laissé l'autre vêtement parce que je trouve le truc, le concept assez cool. Quoique, peut-être comme ça, un échange des deux, en fait, peut-être. Ouais, non, je vais mettre. Oups. Je vais mettre plutôt. Parce que j'aime bien l'idée de ça. Voilà, c'est trop stylé. Ah, voilà. Je sais pas où j'ai trouvé ce truc-là, mais je vais justement ranger mes trucs ici. Comme vous voyez, il y a ça aussi. Que je peux récupérer. Ça, je peux récupérer. Il y a des rations. Je sais pas à quoi ça sert, mais je récupère. Je ne récupère pas trop non plus. Ça devrait aller. Voilà. Oh non, il fait nuit. Très mauvaise idée. Collecter des fragments de noyaux. D'accord. Bon, après, je vais pas non plus tout faire, hein. Je vous montre juste une partie de base, mais voilà quoi, c'est. Vous avez compris le principe. Vous voyez, le principe, c'est ça, hein. En bref, vous posez des torches. Ça fait plus de lumière. Je sais même pas comment on craft encore. On appuie sur C, je crois. Et pour créer des nouvelles torches, c'est. Ok, je peux en créer plus. Voilà. Ça permet de retirer l'obscurité. Sont comiques les torches, je les trouve trop mignonnes. Je pense que ça est lié au fait que c'est la fille qui a ou le gars qui a fait le mode du Fury. Et c'est grâce à lui qu'on a ça. Je pense que d'origine ça ressemble pas à ça les torches. Du coup, elles sont trop mignonnes, elles ont des petits yeux. Trop choupinou. Non, c'est vraiment le mec qui faut remercier, quoi. Comme vous entendez, il fait un bruit d'animal qui est blessé. Bon, je vais pas faire tout, hein. Enfin, on verra. Parce qu'il se fait tard aussi. Il est 1h du matin, je crois, ou minuit, un truc comme ça chez moi. Donc c'est un peu long quand même. Ah. J'espère que le son n'est pas trop fort aussi. Normalement, non. Il faut que le son soit pas trop fort et en même temps soit présent.
Ouf. À tout prix. Non, non. Ah là, il y en a. Voir si c'est ça, hein. Non, c'est pas ce truc là, ok. Ah. Je sais pas ce qu'il fait lui. Apparemment il doit scanner un truc ou quoi. Peut-être un peu de pierre pour peut-être faire des armes en pierre, je sais pas. C'est de la pierre ça, non ? Ça c'est top. Mais non, ça va pas marcher. La saute. Oh, j'ai tué un pauvre animal. Pauvre petit lapin. Pas ce que je voulais faire.
C'est bien, mais je sais toujours pas. Cachez-toi. Bon, je pense que pour vous, on va s'arrêter là parce que j'ai pas d'idée de truc. Aïe. Va me tuer. Et pas ce qui se passe, pourquoi je perds des vies. J'ai réussi à tout prendre ou pas? Merde! Ça va pas marcher. Chier. J'y étais presque. Bon, on a une mission, c'est d'aller prendre cette histoire. Nom d'une merde. Oui, ta gueule. On peut tout recommencer. Quoi? C'est chiant. Bon, ce qui me fait chier, c'est que je dois recommencer tout là. Et que j'avais récupéré peut-être un truc intéressant. Un loot, tu te crains intéressant, merde quoi. On va essayer d'arriver jusqu'au truc où il y avait le loot. Ah non! Et après ça, on se quitte. Je peux pas. Ça, j'ai pas compris comment on en fabrique. Hein. Ça veut pas que j'en en fabrique, je sais pas pourquoi. Que je récupère de l'herbe? Bon.
Aïe. Non! Ouais, c'est mort. Bon, on va se quitter ici. En tout cas, vous avez compris, il faudrait que je récupère le loot parce que sinon, ça va prendre des gigas. Donc, moi, je vais continuer de mon côté tout seul dans mon coin et je vous dis à bientôt. Vous avez compris le principe du jeu. Je ferai d'autres vidéos quand je serai plus loin, mais en tout cas, pour ici, c'est déjà bien. Moi, de mon côté, je vais mieux m'en sortir sans vous. C'est la triste vérité parce que le fait que ça prend de l'espace... La vidéo, ça me stresse et du coup, ben voilà. Je vais pas les... ça prend de l'espace, quoi. Allez, un peu plus.